Qu'on le veuille ou pas, la vie nous pousse toujours à aller de l'avant. Les gens se préparent, se mettent en route, puis s'installent. Et là où ils s'arrêtent, ils édifient un feu pour se nourrir et pour cuisiner. Depuis les premières migrations des hommes sur Terre jusqu'à l'échange des aliments et leur transport, depuis la naissance des techniques de cuisson jusqu'à l'évolution de la destinée humaine, ce dialogue entre les êtres humains et la nourriture n'a jamais cessé. Ningxi, Tibet. Le vent humide et tiède de la mousson venant de l'océan Indien favorise la croissance des plantations en abondance. Comme chaque année, c'est la saison de la moisson qui commence pour Bamazandhui. Elle est si petite. La racine de Gastrodia et les champignons nommés reishi sont considérés comme étant d'importantes sources de revenus. Cela n'empêche pas le fait que dans un mois, elles auraient complètement disparu. C'est encore cassé. Une différence d'altitude de 7000 mètres sépare ces canyons de ces montagnes enneigées, permettant à Ningxi d'être considérée comme étant la toundra alpine la plus riche du monde. Baima devra travailler dur afin de gagner rapidement assez d'argent, lui permettant de payer les frais de scolarité universitaire de son jeune frère, qui vient de terminer ses études secondaires. Mais avant cela, il a préparé un cadeau spécial pour son frère cadet. Ici, nous retrouvons 80% des forêts du Tibet. Bamazandhui recherche sans répit la ruche d'abeilles qu'il avait découverte depuis quelques jours. Maintenant, il doit trouver une bonne façon pour atteindre le sommet. Pour les natifs de la région, le miel est un aliment précieux et nutritif, un aliment pour lequel on prendrait des risques. Incroyable pour certains, mais cette tradition perdure depuis des siècles déjà. Baima s'attache à la branche d'une vigne qu'il a choisie. À partir de ce moment, sa vie dépend de cette vigne. Il s'approche petit à petit de son but. Une heure plus tard, Baima monte de plus en plus haut. Son père s'est inquiété et s'est précipité pour le retrouver. Bamazandhui n'ose plus grimper des deux mains sur l'arbre et va de plus en plus lentement. N'aie pas peur, regarde bien vers le haut. S'il te plaît, tiens bon et surtout ne panique pas. Trois heures plus tard, Baima s'approche de la cime de l'arbre. Maintenant, il se prépare pour sortir de son cerceau de vigne. On est obligé de grimper sur l'arbre sans aucune mesure de sécurité. Pour avoir ce miel et pour qu'on puisse vivre.
Les abeilles sauvages ne craignent pas les humains. Baïma arrive à les maîtriser grâce à la fumée de sa torche brûlante, telle que ses aînés lui avaient bien appris. Il suffit maintenant d'une fente dans la cachette des abeilles afin d'obtenir le miel le plus doux. Le miel est délicieux et nourrissant. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas dégusté. La nourriture sucrée se fait si rare dans cette vaste étendue de forêt isolée. Le miel est le plus précieux cadeau que Baïma pourrait offrir à sa famille. La douceur du sucre est l'expérience gustative la plus simple chez l'homme en matière de délices. À 80%, le miel est constitué de fructose et de glucose. Le miel est naturellement absorbé par le corps humain pendant la digestion. Dans une cuisine chinoise, que vous prépariez du salé ou du sucré, le miel est difficilement remplacé par un autre genre de sucre. Pour un jeune Tibétain, obtenir du miel veut dire grimper aussi haut qu'une dizaine d'étages. Pour d'autres, il s'agit de s'aventurer dans des terrains de dizaines de milliers de kilomètres. Les brassicas viennent tout juste d'éclore. Tangangshu se prépare pour quitter. Allons-y! Le vieux Tan est un apiculteur. Pour plus de 20 années, il a pu élever ses enfants grâce à ce travail. Chaque année, pendant le festival de Qingming, le vieux Tan et son épouse organisent un voyage à la recherche de floraisons. En une journée seulement, il construit une ruche à Qinling, à 500 km de distance. Le miel d'acacia provenant de Qinling est considéré comme étant le haut de gamme du miel produit en Chine. Mais le vieux Tan ne peut pas encore se détendre. Vers les mi-avril, le temps change si brusquement. Soudain, les tempêtes et les pluies surgissent, exterminant toutes sortes de floraisons plus tôt que prévu. Personne ne peut savoir jusqu'à quand le mauvais temps persistera. Le chemin est noir et obscur. Il y a 20 ans déjà, le vieux Tan avait promis à son épouse qu'il l'emmènerait dans une belle aventure. Quand j'ai pris Tan pour fiancé, il me disait que les volages d'abeilles étaient agréables, qu'on allait beaucoup s'amuser en voyageant, que c'était romantique. Puis je me suis mariée avec lui et ce n'est pas si simple que ça. Nous demeurons souvent dans la prairie sauvage et nous passons par des périodes vraiment difficiles. Quand les transports n'étaient que précaires, les voyages duraient longtemps. Les voyageurs emmenaient avec eux des aliments qui se conservaient longuement. On les appelait les conserves du chemin. Les conserves du chemin n'étaient pas que rassasiants, mais ils procuraient également un certain goût familier du foyer. Ce voyage apparemment solitaire se trouve animé par la belle présence des femmes de Sichuan. Va doucement. Je sais comment aller doucement. Elle est impatiente, je suis de mauvaise humeur. Sa femme pourrait préparer un pudding au tofu à partir de rien. Ce pudding est l'une des spécialités les plus appétissantes et les plus simples de Sichuan. Cela représente bien sûr certains avantages. Les femmes ici sont très efficaces. Elles détiennent énormément de qualités. Tu ne vas pas dîner sans moi. Tu ne sais pas cuisiner. Je cuisinerai pour toi si tu le veux bien. Ne fais pas de compliments avant que le repas ne soit terminé. Les femmes de Sichuan sont très efficaces. La chaleur émise lors du chauffage des aliments permet aux molécules de protéines de se souder en une structure maillée. Au fait, le pudding de tofu n'est qu'une gélatine de protéines de soja. Essorez, appuyez bien.
La force employée déterminera la texture du pudding. Une scène miraculeuse se déroule dans cette modeste tente. Il est temps de mettre les condiments. La coriandre savoureuse. La menthe rafraîchissante. Les croustillantes graines d'arachide frites. Et des cornichons aigres doux refroidis. Ceci est plus que suffisant pour évincer la fatigue du voyage. Vieux Tan, regarde ce pudding au tofu. Il est identique à celui de la maison. Son jus est clair et brillant. Un succès! Le pudding au tofu d'aujourd'hui est magnifique. Il me réchauffe. C'est réconfortant. Quand tu t'énerves après moi, comme d'habitude, sois aussi doux que le pudding au tofu d'aujourd'hui. Tu es une bonne épouse. Sois doux. Ce miel est vraiment excellent. Bon époux, excellent père. Un bon repas, un repas aussi riche, n'est que signe du début d'un long voyage. Plus que 10 tonnes de possessions familiales devraient être transportées dans la voiture 2 heures avant la tombée de la nuit. À cause de la nature de leur travail, les apiculteurs, chaque année, restent loin de leur gîte jusqu'à 11 mois durant. C'est grâce à cette vie sur la route que les parents ont su procurer à leurs 2 enfants, toujours à l'école, une vie bien stable. Pendant 20 années, et malgré les intempéries et les rudes chemins, c'est le support mutuel d'un mari persévérant et de son épouse travailleuse, ainsi que le goût familial de la route, qui ont su compenser la solitude du chemin. Le vieux Tan, apiculteur, et sa femme se déplacent avec leurs abeilles. Un autre groupe migratoire prend la route avec une charge légère, comptant sur rien d'autre que leurs mains. Dans le nord des montagnes de Qinling, le blé est prêt pour la récolte. L'utilisation intense de la moisson mécanique ne gêne en aucune façon la concurrence. Exploitant de blé et ancien exploitant professionnel en Chine, suivent le rythme propre de la maturation du blé et défient manuellement la moisson mécanique. Le blé, une moisson qui, jadis, a changé le cours de la civilisation humaine, domine aujourd'hui l'espace agricole le plus important du monde. De la plus fréquente brioche à la vapeur, au petit pain farci, aux nouilles, à la viande hamburger, à la pita trempée dans la soupe d'agneau, ces délices variés ont gravé dans la pierre le fondement même de Shaanxi, comme étant le royaume de la denrée du blé. Et pourtant, il nous faut attendre la saison de moisson pour pouvoir déguster la saveur la plus originale du blé. Le blé est riche en hydrates de carbone et en protéines. Le blé récemment récolté est le plus doux. Je ne peux t'amadouer, toi qui travailles dur. C'est bon, je ne peux te moquer. Travaille dur et prends ton gain. Voilà ton argent, gain réalisé. J'ai durement travaillé, c'est bien mérité, oui, merci. Oui. Merci. D'habitude, les gens de Shaanxi confectionnent la pâte dans une forme large de 3 cm. La largeur, le temps adéquat et la bonne température font ressortir la masticabilité du gluten dans le blé nouvellement moissonné, ainsi que son goût si frais, si doux. Vieille mamie connaît mieux que quiconque le secret de la fabrication des noodles. Une boîte à vent et beaucoup de bois à brûler. Un bon feu pour les meilleures nouilles. «
Des champignons des bois, des carottes et du tofu soyeux forment un bouillon bien riche que les gens de Shaanxi appellent saozi. L'huile de piment fortement colorée reste l'acolyte le plus fidèle des nouilles. Nous sommes tous des agriculteurs, oui, des gens non éduqués. Ce sont juste des plats faits maison, tu comprends. Se comporter avec les moissonneurs de blé avec courtoisie relève de la tradition. Un taux important d'hydrate de carbone maintient le taux nécessaire de glycogène dont le corps a besoin après un travail physique ardu. Aujourd'hui, il n'y a pas d'avantage dans la moisson manuelle du blé. Les terres agricoles sont très étroites. 10 heures de travail par jour, chaque personne moissonnant environ une acre du terrain pour gagner environ 200 yuan par jour. La machine de moisson la plus chère coûte 100 yuan seulement. Qui alors paierait 200, hein? La machine de moisson travaille mécaniquement. Il suffit d'y ajouter de l'essence pour qu'elle commence à marcher. Nous faisons la moisson une poignée à la fois. Le prix est ridicule. Il n'y a pas de place sur le marché pour un pareil prix, vois-tu? Nous gagnons vraiment peu d'argent et nous le dépensons sur les enfants ou pour le remboursement des dettes. Nous gagnons de l'argent, achetons quelques objets, nous mangeons, nous buvons et avec ça nous sommes heureux. La moisson du blé n'a plus sa place dans un monde moderne. Un monde qui urge pour l'efficacité et le bon rendement. Ma Wangkan et ses collègues moissonneurs semblent être les derniers dans leur profession en Chine. De nos jours, les métiers traditionnels et légendaires sont en train d'être évincés petit à petit par les machines. La nourriture, aujourd'hui devant nos yeux, pourrait bien provenir de mers et de montagnes lointaines. Depuis la source et jusqu'à la table de dîner, elle a beaucoup voyagé et surmonté plusieurs obstacles. L'océan, le dernier terrain de chasse de l'homme. Quelques scientifiques prédisent que dans 50 ans, tous les poissons dans les mers auront péri. Yang Shilu, pêcheur à Zhejiang, affirme que nous ne pourrons plus compter sur l'alimentation maritime que pour une seule décennie encore. Après 3 mois d'interdiction de pêche, l'Est de la Chine acclame son premier jour de pêche. Ce petit bateau est appelé le bateau du couple. Chaque 4 heures, il fait 60 nœuds et permet aux pêcheurs de prendre pied. Le couple jette leur premier filet de pêche. San Menwan se situe sur la côte est de Zhejiang. Elle a jadis détenu des ressources importantes pour la pêche. Alors qu'on se rapprochait du 15e jour du cycle lunaire, la marée montait et devenait plus forte. Vu la fragilité de son corps, la femme commence à sentir le mal de mer. À chaque fois qu'il sortait en mer et prenait le large, le mari s'entretenait de tout excepté de la pêche. Était-ce l'allumage du feu ou de la cuisine? Ils avaient ainsi convenu depuis 20 ans. Fait frire du crabe blanc et bouillir de l'eau avant d'y ajouter les nouilles. Ce simple dîner est suivi d'un lourd travail de 6 heures. C'est la première coulée du filet après le moratorium, un fait crucial. L'argent du travail de la mer est difficilement gagné. Profiter de la mer nécessite un travail de dur labeur. Lève l'ancre, remonte le filet. Le filet de pêche est resté dans l'eau pendant très longtemps. Il est resté dans l'eau pendant 20 heures. La prise est décevante. «
ils attrapent finalement un pomfret qui se libère aussitôt. Après 6 heures de pêche, toujours pas de poisson. Heureusement, la mer recèle d'autres trésors. L'océan, une fois encore, brille de générosité. L'espoir de ma famille, qui est formée de 3 membres, repose sur ce bateau. Sans la mer, nous n'aurions aucun gagne-pain. 50 kg de prise dans la mer, voilà la récompense d'une journée suivie d'une nuit sur des eaux tumultueuses. Dans 10 heures, ces crabes seront servis dans les restaurants de la ville. Souvent, la nourriture n'est obtenue que par un travail phénoménal et une attente bien patiente. Cette même loi s'applique dans les montagnes. La fouille a perduré une demi-journée. Et pourtant, Rao Changqing n'a toujours rien trouvé. La saison est enfin là. La faille profonde sous pied et l'humidité accumulée à 2400 mètres d'altitude sont d'importants catalyseurs pour provoquer la présence de précieux aliments. Les petits champignons shiitake. Un champignon se développe sur les arbres séchés. C'est aussi le roi de tous les champignons. Aujourd'hui, les champignons peuvent être reproduits artificiellement avec une bonne qualité. Malgré cela, le vieil homme sait parfaitement bien que ces champignons-là ne sont pas classés meilleurs pour leur goût. Les champignons sauvages peuvent paraître mauvais de par leur couleur et leur apparence, mais ils sont nutritifs, délicieux et parfumés. Dans un environnement froid, les champignons poussent d'une façon extrêmement lente. Et pourtant, la chair est épaisse. La distincte différence de température entre le jour et la nuit provoque des déchirures sur le chapeau du champignon. La poussée des petits shiitake résulte d'une série de coïncidences naturelles. Les shiitake frais sont à 90% formés d'eau. Quant à la manière de les sécher, il existe des moyens secrets. La chambre à charbon contient des champignons artificiellement reproduits. En effet, les champignons frais ont un arôme plus doux que ceux qui sont séchés. Le secret réside dans la procédure de déshydratation, qui conduit directement à de grandes quantités de sel de ganoïsine et donc à un puissant arôme. Ainsi, c'est seulement après séchage que ce champignon devient vraiment odorant. Quant au séchage des champignons sauvages shiitake, le vieil homme a pour préférence la plus naturelle des techniques. Sous l'effet du soleil et du vent, la chair charnue et savoureuse des champignons sauvages shiitake perd graduellement de son eau. Petit à petit, les fraîches et délicieuses saveurs deviennent concentrées. Les champignons sauvages shiitake ne sont pas uniformes, contrairement aux champignons artificiellement reproduits. Le prix des champignons shiitake est également difficile à fixer. Que les travailleurs comptent sur les montagnes ou sur la mer, ils ont tous leur propre et unique goût familial. L'œil de la marée, un surnom poétique pour une pieuvre aux tentacules courts. Le nom scientifique est Octopus oceatus. Cet animal sort la nuit durant la marée haute et reste caché durant la marée basse. Yang Shilu est expert quant à la trouvaille de cet animal. Mes parents sont toujours occupés quand je rentre à la maison. Nous irons ensuite au bord de la mer, attraper quelques poissons, quelques pieuvres pour amener à la maison. Et puis nous nous mettrons tous trois à préparer le dîner. C'est un sentiment de pur bonheur. Le collagène à la surface de la pieuvre se mélange à l'assaisonnement et ainsi forme une sauce assez riche et épaisse. La pieuvre est moelleuse et élastique. Cette recette est la spécialité des pêcheurs sur la mer de Chine orientale. Et pourtant, le plat favori de sa fille est toujours enfui dans les tréfonds de la plage. Les poissons gobies sont aussi appelés sauteurs debout. Ce sont des poissons qui peuvent survivre sur terre.
N'espérez point pouvoir en attraper, sauf si vous auriez en tête de passer 5 ans à vous entraîner à pêcher. Il est préférable d'utiliser une canne à pêche longue de 5 mètres, car 6 mètres de ligne de pêche sont nécessaires pour attraper une proie sur une distance de 10 mètres. Quand j'étais adolescente, j'adorais les gobies et les yeux de marée. Mon père ne savait pas comment en attraper. Il a alors voulu apprendre. Acquérir cette technique a nécessité plusieurs années d'apprentissage. Toute la procédure, depuis son début et jusqu'à sa fin, dure seulement un huitième de seconde. Seule une caméra à haute vitesse est capable de capter et faire visionner clairement la procédure en entier. Tu es magnifique. Les pères sont vraiment capables de tout. Quelques sauteurs de boue cuisinés font une très bonne compote. La chair est tendre et la sauce assez riche. Faites fumer et griller d'une façon répétitive sur un feu de paille jusqu'à ce que l'huile de poisson se dégage. Laissez le tout cuisiner et laissez-le sécher au vent. Voilà pour vous le meilleur des assaisonnements. Il pourrait aussi bien accompagner d'autres plats de fruits de mer. Même les vieux qui vivent tout seuls méritent parfois des récompenses. Ce breuvage est l'un des plus précieux, des plus délicieux, malgré le fait qu'il n'apparaisse très ordinaire. Le bonheur ressenti après une dure journée de labeur a toujours été ainsi. L'Ormeau de Dongshan à Shanghai. Le Mérou de Zhuhai à Chengdu. Les légumes de Guangxi à Beijing. Les champignons de Kunming à Xinjiang. Aujourd'hui, les transports et l'appétit des gens ont considérablement fait évoluer la gastronomie. Ce ne sont pas seulement les hommes qui rapidement prennent la route pour aller de l'avant, mais la nourriture aussi. Plusieurs formes et types sont alors créés. Tandis que la nourriture, elle évolue par différents chemins. Ce grand ustensile est un poêle à deux anses, connu sous le nom d'aozi pour les gens du coin. Il fait 2 mètres de diamètre. C'est aussi la signature de la nourriture de base à Shandong, à savoir les crêpes de Shandong. En plein dans la chaleur de l'été, la pluie est abondante. C'est la saison la plus humide pour Yimengshan. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de grand-mère. Xiaoyi et sa famille ont été occupés pendant des jours. Moule bien la pâte, rends-la bien faite, rends-la bien lisse. Les femmes jouissent de la bonne fortune, les hommes, eux, font le grand travail. Tout le labeur est réalisé par les hommes. J'ai une mauvaise jambe, beaucoup de douleurs. Pourquoi aurais-je voulu que tu fasses le travail? J'ai travaillé pour elle toute ma vie. Et pour rien. L'ingrédient principal pour la préparation des crêpes est la farine de patates douces. Les grains de soja peuvent aussi être utilisés, bien sûr, ou le blé, le sorgho, ou encore les grains de maïs réduits en poudre. Kunchongu est au fin fond de Mengshan, là où les anciennes traditions se sont entêtées à persister. Le poêle est chaud, la pâte également étendue.
Rapidement, la pâte multigrain prend forme. Alors que la vapeur ne s'évapore, l'air se remplit d'une douce et délicieuse arôme. C'est l'odeur unique des grains. La manière d'allumer le feu est cruciale. Si le feu est trop fort, la crêpe brûle. S'il est trop doux, la crêpe sera molle et gluante. Grand-maman, avec ses 60 ans d'expérience, est la plus qualifiée. Elle sait parfaitement contrôler le temps et la température toute seule. Les crêpes fraîchement préparées sont croustillantes et aromatiques. Il faut qu'elles refroidissent complètement pour qu'elles deviennent douces et moelleuses de nouveau. Aujourd'hui, les crêpes peuvent presque tout accompagner, que ce soit un aliment somptueux ou un rapide casse-croûte. Le choix vous revient totalement. Vous avez l'entière liberté de choisir entre cher et plus économe. Pour un habitué de Shandong, les oignons verts ou frais restent la meilleure nourriture à déguster dans une crêpe. C'est bon, c'est très bon. Les habitants de Shandong mettent l'accent sur la texture et le goût des crêpes. Selon eux, il faut qu'elles aient un après-goût doux et sucré, mais qu'elles soient aussi un défi à relever par la mastication d'une personne. L'évolution des crêpes a été encore plus intéressante. 1700 km vers le sud de la ville, les rouleaux de printemps se préparent à Chaozhou. Battre, pétrir, étendre, le tout très rapidement. Les haricots verts d'un côté avec des bouts d'oignons verts, des crevettes desséchées et de la sauce de poisson. Une fois frits, les rouleaux du printemps sont dorés et bien croustillants. Quant à la garniture, elle demeure douce et gluante. Encore 1600 km vers l'ouest, les filles de Guyane préfèrent les rouleaux farcis aux légumes hachés. C'est une pâte cuite, plutôt petite, mais qui, malgré sa taille, peut contenir jusqu'à 20 genres de légumes et 4 cuillères d'eau. Que ce soit par sa forme ou sa garniture, que ce soit aussi par son essence, le rouleau de printemps se présente sous d'innombrables variétés. Cela ressemble à une grande palette de nourriture. Un retour en arrière est nécessaire pour comprendre que son évolution a toujours été liée au déplacement de l'homme et à sa migration. Dans une rivière dans le plateau de Yunnan à Guizhou, tous, enfants de 10 ans et vieillards de 70 ans, travaillent et œuvrent à ce que chaque pierre dans le lit de la rivière soit retournée d'une façon méticuleuse. Et cela pour conserver un unique et merveilleux délice. Dans le village le plus éloigné du côté sud-ouest de Guizhou, Li Jianying, une fille Hmong, attend impatiemment son moment de gloire et de bonheur. Heureuse. C'est la première fois en 6 mois que ses parents sont à la maison. À ce juste moment, la fille Hmong, qui travaille près de la rivière, devient encore une fois mère. Les fleurs de riz sont en train d'éclore. Il y a point d'heure pour se reposer. Yu Gaoli prépare du poisson conservé pour sa famille. Pour préparer du poisson conservé, on a besoin de riz doux en premier. Lavez le riz glutineux et cuisinez-le à vapeur sur la cuisinière. Ajoutez de la levure de vin pour la fermentation. Les carpes ont mangé à satiété des fleurs de riz. Elles sont assez grosses et douces maintenant. Plutôt que de chasser pour se nourrir, les parents et les enfants passent ensemble leur temps dehors pour
pour se rapprocher les uns des autres. Une fois le poisson nettoyé, il est étendu sur la cuisinière. Faites-le fumer sur un feu doux à charbon pendant la nuit. Maintenant, il est grand temps de recevoir l'aide du vent et de l'air. Le riz glutineux est plein de mycélium. Le champignon produit beaucoup d'enzymes et hydrolyse l'amidon en sucre. Le produit final a un goût frais, aigre doux. Le ventre du poisson est garni de riz doux, mélangé avec du sel et du chili. Les carpes à fleurs de riz peuvent être dégustées directement ou encore après avoir été frites. Peu importe la recette utilisée, la saveur alléchante d'aigre doux du poisson conservé et du riz glutineux rendent le plat simplement délectable. Pourtant, le plus délicieux des aliments est toujours caché sous l'eau. Au mois d'août, tous les habitants petits et grands du village de Kaogang sortent à l'extérieur. Le poisson beaufortia, c'est en effet l'ingrédient clé dans la préparation de la soupe de poisson Lechon. Et c'est surtout un délice insoupçonné. On ne peut le préparer qu'une fois l'an. Et cette préparation nécessite les plus frais des piments. Er Jin Tao est le meilleur en son genre. Le jeune gingembre est frais et tendre. Il est surtout utilisé pour se débarrasser de la puanteur du poisson. L'Indera Gloka, aussi appelée brousse épice, est un condiment unique dans la région sud-ouest. Il détient un arôme riche et mystérieux qui le rend très réputé pour son parfum très unique. De grandes quantités de sel préservent la fraîcheur et accentuent la saveur. C'est une bonne journée. Mélangez et remuez les ingrédients. Déposez le tout dans un pot spécial. La température est bonne. Laissez macérer les ingrédients en une délicieuse fusion. Liu Gaoli et son mari travaillent dans une usine de vêtements à Guangdong. En ce moment précis, ils sont à la maison parce que les terrains de maïs de 8 acres, possédés par la famille, sont pris pour la moisson. Ils forment à eux deux la force laborieuse de la famille, mais ils ont aussi d'autres tâches triviales comme les bricolages de la maison. Ainsi, le couple n'a qu'un demi-mois à passer avec sa famille. Un demi-mois est aussi le temps nécessaire à la préparation de la sauce du poisson Lechon. La bactérie d'acide lactique et la levure contribuent à la spécificité de l'arôme du plat, tandis que les acides organiques donnent à cette sauce au poisson un goût délicieusement unique et aigre. C'est ainsi que les Mang préparent leurs assaisonnements. Ils en sont certainement très fiers. Une cuillerée de cette sauce pourrait préparer le plus alléchant des plats. C'est la réunion la plus délicieuse de l'année. C'est sûrement un dîner où se mélangent beaucoup de sentiments. Je suis si heureuse que maman et papa soient de retour. Mais je sais qu'ils devront bientôt s'en aller. Je ne pourrai pas sûrement les garder ici. ...61 millions d'enfants grandissent seuls dans des villages agricoles en Chine, sans parents à leur côté. Ce nombre est égal à la totalité de la population au Royaume-Uni. On les appelle les enfants gardes du fort. Li Jianing et son grand frère ont confectionné un petit pot de sauce de poisson pour leurs parents. Sitôt, à 5 heures du matin, il est grand temps de se dire adieu. Ne pensez pas trop à nous. Souvenez-vous de bien vous nourrir. Au revoir.
un pot qui détient la saveur de la maison, est transporté jusqu'à Zhangshan, à Guangdong, 1000 km plus loin. Peut-être qu'un jour, il apparaîtra quelque part d'autre, sous une nouvelle forme. C'est ainsi que la nourriture a migré durant des siècles. Elle a ainsi évolué en suivant la trace des pas des hommes. Qu'importe si nous allons loin, la saveur de la maison s'entête à demeurer ancrée dans l'esprit des gens. C'est un GPS gustatif. D'un côté, enfermé dans un endroit lointain, étranger, lointain de milliers de kilomètres, mais de l'autre, à jamais ancré dans les plus profonds souvenirs des gens de leur ville natale. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer le retour de notre ami... Après avoir été absent à l'étranger durant 40 ans, le Chinois Chen Shikun retourne dans son pays natal. Un grand et solennel rituel acclame son retour parmi ses pairs, dans son clan. Ici, un banquet pour les villageois et les voisins est appelé Baijiuo. C'est uniquement par des banquets pareils que les affaires importantes sont rendues officielles. Pour fêter le retour de quelqu'un, autour d'un banquet, les liaisons et relations rompues pendant des décennies sont renouées et tout redevient comme avant en un seul instant. Pour les décennies passées, Chen Shikun a travaillé dans une ferme des États-Unis. Aujourd'hui, il a décidé de revenir pour s'établir dans son pays natal, non seulement attiré par les liens familiaux, mais aussi par les saveurs et goûts familiaux. À Kanzhou, à Fujian, à Taïwan, et même parmi les Chinois dans le sud-est de l'Asie, on les appelle saveurs traditionnelles. Parmi les bancs de sable du village de Daxia se trouve un produit local assez réputé. Il paraît bien ordinaire, mais il est surtout entièrement exporté vers l'étranger. Le radis de sable contient environ 90% d'eau. Il est moite, tendre et doux, sans nulle autre texture fibreuse. Plus savoureuse dégustée avec sa peau, la viande du porc est à 80% de graisse et 20% de viande maigre. Coupez-la en sections de longueur d'un pouce et cuisinez-la avec des champignons secs, des huîtres et des crevettes sèches. De la viande charnue et juteuse, du radis doux et frais, des grains de riz bien dodus. Ceci est le rouleau de riz au radis de Kanzhou. Un plat duquel les habitants de Kanzhou sont bien dépendants. Une demi-vie de voyage ne peut donner que de la prospérité à une grande et nombreuse descendance. Et une vie menée à tracer des pas de son début jusqu'à sa fin ne peut se terminer qu'à la maison. Cela a été la croyance de la Chine pour un millénium. Une simple mais si puissante croyance. Dans le ranch de Shandong à Gansu, le vieux Tan et sa femme se préparent à aller de l'avant d'une route nouvelle. C'est une autre aventure d'un millier de kilomètres. À Guyane, au Ningxia, les exploitants de blé sont rentrés chez eux afin de moissonner leur propre récolte de blé. Dans la mer de Chine orientale, le bateau du couple lève l'ancre encore une fois avec l'ultime espoir d'avoir enfin une bonne prise. Voilà ce que sont les changements actuels, monumentaux de la Chine. Les gens et la nourriture sont en perpétuel mouvement. Un mouvement plus rapide que jamais. Qu'importe combien rapides sont leurs pas, ni combien réticentes leurs réunions, il y a toujours une saveur qui nous rappelle trois fois la journée, de par nos papilles gustatives. Comment distinguer clairement notre destination sans jamais oublier d'où nous sommes venus? La cuisine chinoise est unique et mystérieuse.
L'art de cuisiner est préservé grâce à l'apprentissage, à l'oralité et à la compréhension. Chaque instant délicieux est créé avec amour et relégué de génération en génération. Héritage du cœur nous montrera comment les saveurs quotidiennes chinoises sont transmises avec amour de génération en génération.